Donc nous voilà ce matin à Martigné-Briand dans le 49 pour une course nature, les Foulées du Layon. Donc il y a deux courses, une de 5, une de 15. Donc moi je me suis inscrit sur la course du 15 km. C'est la 17e édition des Foulées du Layon à Martigné-Briand avec plus de 200 participants sur le 5 et le 15 avec également donc 24 ans de course à pied. Dans le lointain, le speaker de l'arrivée des 5 km. Donc là, on va passer 4e. On l'avait un petit peu plus haut. On a eu une bifurcation. Les 15 à gauche, les 5 à droite. Donc les 5 km rentraient. Et nous, on continue. Là, il fait chaud. Les crépitements, l'électricité qui passe à travers les câbles, pas terrible, terrible. De faire doubler par le premier. Donc c'est ce monsieur qui va arriver là. Le premier sur une gravée des 15. Et oui, c'est pas bien pour lui. Bravo. Merci. Bravo. Merci, merci. Bravo. Merci, merci. Pas comme ça, mais les vignes ça monte et ça descend constamment. Donc après une brève descente, là je suis en train de souffrir actuellement sur un faux plat montant. Très bien. Hello, femme. Ah!
Ça continue avec le SR 611 qui vient de franchir la ligne d'arrivée, qui était Romain Poulard de la SCT de Tours. Petit débrief à froid des foulées du Layon. Donc une course nature assez sympathique mais relativement monotone, hein, alternance de portions de route et portions de chemin dans le vignoble. Très peu de dénivelé, par contre de très très longs faux plats, certains faisaient plusieurs centaines de mètres, 6 ou 700 mètres à mon avis, c'est pas exagéré. Compliqué à gérer parce qu'arrivé en haut, on avait quasi impossibilité de relancer. Alors point négatif pour moi, ça a été le passage répétitif sous les pylônes électriques, donc sous les lignes à haute tension. On entendait vraiment le courant passer, ça faisait claquement sur claquement. Et ça, sous les lignes à haute tension, on est quand même passé peut-être 4 ou 5 fois d'affilée sur les 15 km du parcours. Donc je veux bien que ça soit compliqué de trouver des passages dans la living, mais plusieurs fois passer sous ces lignes haute tension, c'est vraiment pas le top. Hein. Par contre, beaucoup de points positifs, en particulier les ravitaillements. Donc il y a eu quand même beaucoup de ravitaillements, j'en ai compté 4, peut-être 5, dont le premier à même pas 5 km. Le deuxième à même pas 7 km, enfin bon, c'était vraiment des ravitaillements périodiques et on trouvait quand même pas mal de choses à ces ravitaillements, notamment du glucose, pour ceux qui sont adeptes du glucose. Du glucose, de l'eau et puis pas mal de petites choses à manger. Ensuite, autre point positif, la dotation. C'est vraiment une dotation du terroir, puisqu'on était dans la patrie du coteau du Layon, donc on a eu chacun notre petite bouteille de coteau du Layon en cadeau de finisher, avec aussi un petit pied de vigne planté. Bon, on verra ce que ça donne. Et puis dernier point positif, une bonne ambiance, une bonne organisation, c'était vraiment sympa. Les bénévoles gentils comme tout, souriants, agréables, et puis beaucoup de gens sur le bord de la route qui nous applaudissaient, c'était vraiment une bonne ambiance, quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Je suis toujours présent sur le blog, hein, n'hésitez pas à y faire un tour, l'adresse est juste en dessous de la vidéo. Puis je suis présent aussi sur Facebook, Twitter, enfin les réseaux sociaux habituels. Voilà, et à bientôt, à une prochaine.